Hello, nous sommes samedi. Bon, je vous reprends un peu tard, je sais même pas quelle heure il est. Doit être 11h, midi moins le quart par là. Je viens de me rendre compte que j'ai un colis à aller chercher et le samedi ça ferme à 13h. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps, ça va être chaud. Et j'ai reçu des colis. Alors, un thé que mon copain, je pense, a dû ranger. C'est un thé de la marque Love Organic. Je vous avais déjà parlé de ces thés. Et là, j'ai reçu le Love is Green, infusion de légumes et fruits. Je l'ai goûté ce matin, il est très spécial, ça fait pas un peu le côté frais, ça fait... T'as vraiment le côté légumes avec de l'eau, c'est assez spécial. Il est pas mauvais mais c'est vraiment pas un de mes thés préférés je pense. Et j'ai reçu ce masque au miel et au charbon pour purifier et nourrir de la marque Origins. Donc j'ai hâte de le tester. Et sinon mes parents m'ont ramené un colis Lush qui est arrivé chez eux. Avec des produits, notamment cette crème de douche qu'ils ont fait. Comme en fait un gel douche, sauf que cette version solide en fait, sans qu'il y ait le plastique, etc. du gel douche. Ensuite, ça doit être pour le bain, c'est le Sparkly Pumpkin de citrouille tout pailleté. Ensuite, le Monster Ball, un petit monstre comme ça, trop mignon. Et pour finir, une bombe de bain Lord of Misrule, je sais pas comment ça se dit. Vert comme ça, et le colis est ouvert dans l'appart et ça sent trop bon dans tout l'appartement. Le truc a embaumé tout l'appart. Bref, là je vais aller m'habiller, faut que je tourne une vidéo, que je me prépare, etc. Au début j'hésitais à me laver les cheveux mais je les ai lavés il y a pas longtemps en fait, sauf que là je pense que pour les détacher ça va être compliqué. Bon, me revoilà, je suis maquillée, habillée, je viens de filmer une vidéo et je pense que je vais lisser un peu le bout de mes cheveux qui font nain. Je viens de filmer une vidéo et mon petit Deliveroo est arrivé pendant que je filmais ma vidéo. Donc j'ai commandé le resto, je crois que c'est les 100 patates ou les 101 patates, un truc du genre. Donc comme vous l'aurez compris, les plats sont à base de patates. Vous pouvez, il y avait plusieurs sauces, enfin accompagnements, tout ça. Moi j'ai pris tartare de saumon je crois. Et vous pouvez choisir soit des patates rissolées ou une patate au four. Moi j'ai pris une patate au four, donc voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est plutôt joli. C'est un petit peu refroidi j'ai l'impression. Mais du coup voilà, je vais bien me régaler. Je vous mets mon code promo Deliveroo dans la barre d'infos. Et du coup je pense que pour mon colis que je dois aller chercher à 13h, il est midi et demi. Comment vous dire que là je vais manger, que j'ai pas le temps de bouger parce que j'ai un événement à 13h30, donc ça va être compliqué. Sauf si j'arrive à manger et que je pars plutôt pour aller chercher mon colis. Écoutez, je sais pas. J'ai mis ma nouvelle combi de chez Bershka. D'ailleurs je voulais couper l'étiquette et je me suis rendu compte que l'étiquette qui était collée, enfin qui était sur la combi, c'est carrément décousue. Pas trop compris mais bon, écoutez, du coup genre la combi elle est comme ça. J'ai mis une petite ceinture parce que je trouvais que ça faisait un peu vite comme ça avec la couture et tout, donc j'ai mis la petite ceinture sur la couture et voilà, les pieds sont comme ça. Bon là en attendant j'avais mis ces chaussures là pour aller chercher mon Deliveroo, mais je pense que je vais mettre des baskets. Donc voilà, et bah, je vais manger. Je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait d'ailleurs, regardez moi ça, ça a l'air trop 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 bon. Et je suis trop contente parce que du coup à l'événement cet après-midi il y a la plume et il y a également ma soeur et plein d'autres blogueuses, youtubeuses, enfin elles sont plutôt blogueuses, instagrammeuses, tout ça. Donc je sens que ça va être cool pour un coup qu'il y a un truc à Besançon, c'est top. Et du coup c'est à 13h30 et c'est un hôtel, c'est l'hôtel Le Sauvage à Besançon et c'est pendant 2h, enfin de toute façon je vous filmerai des petits bouts. Je vais manger, voilà. Bon, j'ai fini de manger, c'était trop trop bon. Il y avait des concombres et des tomates avec, c'était super bon, avec la petite sauce là, avec la ciboulette, trop bon. Et pour mon colis en fait j'avais complètement zappé, je m'étais dit bah si je vais pas le récupérer là je serais obligée de le récupérer la semaine prochaine, mais lundi je suis de soir donc je vais pouvoir y aller lundi matin, j'avais oublié ce petit détail. À la base je devais être de matin mais j'ai demandé à changer tout simplement parce que demain on va à Lyon et on va voir Marseille, Lyon, enfin Lyon-Marseille du coup. Et genre c'est à 21h le dimanche soir, donc prendre à 6h30 lundi, comment vous dire que faire le retour Lyon jusqu'à ici, ensuite aller à mon stage. Waouh, j'ai une de ces touffes de cheveux qui vient de tomber. Je perds mes cheveux. Bref. Oui, donc faire tout ce trajet, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc j'ai demandé à changer de jour. Et comme je suis toute seule de toute façon sur mon secteur en stage, ben je fais un peu les horaires que je veux. Enfin, je veux dire, ça gêne personne. J'ai pas besoin de voir avec quelqu'un pour changer mes horaires.
Donc il est midi 51, je crois, ou 57, 51 je pense. Et je vais finir de me préparer, je vais changer de rouge à lèvres. Là j'avais mis un rouge à lèvres mat, mais je vais en mettre un liquide mat pour qu'il tienne bien. J'hésite à mettre des talons, mais je pense que je vais descendre à pied, sauf si je joue avec ma soeur, genre si elle peut passer devant chez moi, je sais pas comment elle y va. Enfin comment elle y va, en voiture, mais voilà. Parce que j'aurais bien mis des petits talons, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, et je me dis que c'est l'occasion. Bon, je suis prête, il est 13h05, je vais vous montrer du coup ce que ça donne, ma tenue, tout ça. Donc du coup j'ai changé de collier, j'ai pris un petit collier comme ça avec des petits... Or je pourrais pas vous dire d'où ça vient, je pense que ça devait être peut-être dans les box là, Emma et Chloé, je crois que c'était ça avec les bijoux, il me semble que c'est ça. Bref, avec des petites perles là, je trouve trop mignonne. Du coup j'ai mis un blazer blanc, voilà, reste dans le blanc. Je vais prendre ce petit sac qui vient de chez Lefties, un petit sac rouge, pour mettre un peu de couleur. Et du coup en talon, j'ai mis des talons comme ça qui viennent de chez New Look je crois. Voilà, ils sont pointus. Au début en fait je voulais pas mettre de talons tout simplement parce que si j'y allais à pied ça serait trop compliqué. Mais finalement j'ai demandé à ma soeur de passer me prendre au passage. Donc voilà, bon je suis genre prête à fond mais genre elle est pas encore là. Mais voilà, j'ai mon téléphone à charger tout ça. Je voulais peut-être trouver un petit bracelet pour ce petit bras. Puisque j'ai ma montre. Voilà. Et ça fait très longtemps que je ne me suis pas vue maquillée comme ça, ni habillée comme ça, genre des talons. La dernière fois que j'en ai mis, je ne sais même plus. Du coup, en bracelet, je vais mettre ce petit jonc là, Daniel Wellington or, ça ira très très bien. Et ce que je vais faire là, c'est que je pense que je vais copier sur mon disque dur tout ce qu'il y avait sur mon appareil photo, tout ça, parce que mon disque dur a décidé que une fois rentré à la maison, il remarchait. Voilà, il se lisait sur mon ordi, donc j'ai pas trop compris, mais bon. Tant mieux, parce que c'est important tout ce qu'il y a dessus, et ces deux disques durs me servent beaucoup. Et pour le rouge à lèvres, du coup, j'ai mis le Brown Sugar, sucre brun, de chez Kylie. Bon, j'ai retrouvé le Tiful, nous sommes à la recherche du parking. Enfin, on l'a vu, mais il faut y aller. Petit demi-tour, on va se prendre un mur. Bon, ça va, on n'est pas les derniers du coup, le temps qu'elles arrivent est fini. Ah non, mais bon. Et voilà, du coup, on est devant l'hôtel Le Loup Sauvage, juste là. Parking. Voilà le parking. En fait, c'était pas du tout là où on était devant. C'est trop beau. Ouais. Il y a des petits transats là-bas. Mais c'est trop chouette. Mais trop. C'est là? Bah je pense, regarde là. Deux places? Ah mais il faut se garer en truc comme ça. Moi j'ai cru que j'allais me garer quand même. Ouais là t'es un peu mal là. Ouais t'inquiète, je maîtrise. C'est trop beau là, toute la verdure, c'est parfait pour mon Instagram. À cette hauteur là, donc pour l'avoir testé, il bouge pas quand on le sent pas comme fragile. Du coup, on prend soin, bien sûr. Il a perméabilisé, etc. Pour que tu sois à matière. C'est un sac quand même beige, donc forcément, il faut en prendre soin. This isn't how I thought it'd be. This isn't the
pommes de cire. Ah, en plus, ça, c'est vraiment chaud. Hein. Regardez-moi ça. Mais de loin, ça se voit pas. Oui, mais ah, de près, ça se voit. Attends. Oh, non. Nous allons voir une Emma dans son milieu naturel. En train de faire des photos Insta. Tiens, mais c'est parapluie là pour mettre la lumière. C'est parapluie, mais il pleut pas. Oh Marine, elle est vraiment la baignoire. Ouais, mais on a dit quoi? Tu sors, tu... Oh là là, les deux sœurs, je... Toi, t'es dans notre famille, non? Alors ça. Mais bon, en portrait. Tais-toi, toi. Mais si, en portrait. Mais non, en portrait, il va falloir partir à 3 mètres. Ouais, c'est ça. Puis à 3 mètres, ça fait plus de flou. Hein. Ça fait pas de pitch. Non, là, ça fait plus de flou. Je crois qu'on voit ton cul sur ton blog. Là. Ah, on voit que ça. Oh oui, that body. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But that dream that you're holding in your mind, that it's possible. Me voilà rentrée, il est 15h50 et non mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, j'ai fait un petit trou dans mon pantalon tout simplement parce que j'avais mes talons. Et comme c'est des talons assez pointus, et ben quand j'ai descendu les escaliers, mon talon s'est bloqué dans mon pantalon puisqu'il est assez évasé et voilà. Heureusement c'est côté intérieur de la jambe donc ça se voit pas trop. Mais bon, un peu deg. Franchement, l'événement c'était super cool. Donc encore merci et l'hôtel était genre magnifique, j'ai essayé de vous faire des plans un peu, franchement trop beau, trop classe. On a pu visiter aussi quelques chambres dont une suite où il y a des personnes qui se marient aujourd'hui et dorment là ce soir, franchement trop beau, trop canon. Du coup elle nous a donné des petits cadeaux aussi, trop gentil. Donc c'est Made in France. Le sac est vraiment magnifique, franchement, et elle va le faire en d'autres couleurs, donc je pense que ça va être trop canon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, pour l'instant il est en précommande, donc moins cher, à 350, après il va passer à 420, je crois qu'elle nous a dit. Donc voilà, je vous mettrai le lien, je ne sais pas à quel prix il sera quand vous regarderez cette vidéo, mais franchement, trop canon, vraiment. Ensuite, en fait, elle fait des designs, tout ça, donc il y a le miroir, et en fait le motif que vous voyez là sur le miroir, c'est le même motif qu'il y a à l'intérieur de le sac. De le sac, du sac. Et c'est elle qui l'a dessiné, donc je trouve ça trop beau. Voilà. Ensuite, bon, l'hôtel nous a donné la petite brochure. Franchement, cet hôtel est magnifique. Je connaissais pas du tout. Et il est super grand. On dirait pas comme ça, mais franchement, c'est super grand. Il y a plein d'étages, le petit recoin. Donc elle nous a donné sa petite carte. Elle nous a donné, donc il y a un petit carnet, pareil. Le motif, je trouve trop joli. Et il y a un plateau, je crois, qu'elle a fait avec ce motif. Il y a une petite carte, donc Anita a laissé un petit mot derrière, trop joli franchement, rien que la carte. En fait elle a fait une collection d'affiches avec Pauline, donc Pauline Dress, je sais pas si vous la connaissez. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Pauline qui est de Besançon, donc qui était là aussi. Donc là il y a la petite carte, trop belle, et l'affiche, je la trouve trop jolie. Avec le motif comme ça, en plus si vous me connaissez, ce motif je kiffe. Le motif tropical comme ça, donc je pense que je vais trouver un cadre pour le mettre dedans. En plus ça ira très bien avec les décos, enfin les cadres qu'il y a dans ma chambre. Donc franchement trop cool. Voilà, il y avait aussi la petite plume que vous avez dû voir dans les photos, dans les images d'avant, ma soeur, tout ça.
et d'autres filles, dont la Miss Franche-Comté qui était là, Mathilde si je me trompe pas. Donc voilà, c'était une super après-midi, vraiment très très cool. Là il faut que je monte ma vidéo, j'hésitais peut-être à tourner une autre vidéo, mais je pense que la semaine prochaine il y aura une seule vidéo sur ma chaîne parce que ça va être compliqué. Donc là plutôt je vais sûrement monter, il faut que je monte la vidéo, il faut que je monte le vlog la semaine dernière, tout ça, enfin bref, vu que demain je suis pas là. Il faut que je m'avance sur tout ça. Wally walou. C'était cool, on a pris des petits thés. J'ai pris un thé à la pomme d'amour. J'ai pas guetté la marque, mais j'ai peut-être en vidéo. Mais franchement, trop bon quoi. Trop, trop bon. Bon, j'ai déjà monté un vlog et sinon j'ai préparé des photos sur Insta. Puisque là, pendant l'événement, on a fait pas mal de photos pour Instagram. Là, je suis en train de me faire une grosse crêpe. Oui, je sais, il est 18h. Mais c'est pas grave, j'avoue qu'à l'événement, on a mangé genre des petits macarons et tout. Mais j'ai un peu faim. Donc on me fait une grosse crêpe. J'ai quasiment plus de framboises. Et des fois je mets du Nutella, là je suis même pas sûre qu'on en ait encore. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que je vais faire fondre du chocolat noir. Je vais mettre un peu de noix de coco sur ma crêpe et ça va être nickel. Et je pense que je vais vous laisser pour ce vlog parce que là je vais manger ma petite crêpe. J'ai pas mal de choses à ranger, j'ai encore un autre vlog à monter. J'aurai celui-ci à monter et j'aurai ma vidéo de la semaine prochaine à monter. Plus bah ouais comme je vous ai dit, genre tous les habits que vous voyez sur le lit c'est des habits propres qu'il faut ranger. Et sachant qu'il y en a déjà sur l'étendoir à linge qu'il faut ranger encore, faut que j'étende mes tenues que j'ai lavées. Bref, plein de trucs à faire. Normalement ce soir on est censé sortir avec toutes les personnes avec qui on va à Lyon demain. Mais j'avoue que moi je suis pas chaud pour sortir. Sachant qu'hier soir j'ai déjà pas dormi énormément, je suis fatiguée. Et le week-end c'est pour se reposer et demain soir je sais que je vais pas me reposer, donc franchement j'ai besoin de dormir, voilà. Donc je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous mets un code promo, quoique non il sera plus valable. Je voulais vous mettre un code promo, Moanita là, enfin un code promo pour son site, mais en fait il est valable que ce week-end, donc en vrai ce vlog sera trop tard. I'm sorry. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog.